Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 11 au 17 mars 2024. Et aujourd'hui j'accueille nos amis les Vierges. Bienvenue à vous mes petites Vierges. J'espère que vous allez bien. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux, nouvelles sur ma chaîne. Donc n'oubliez pas que ça reste des guidances générales, hein, collectives, hein, ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez uniquement en compte les amis, les messages qui résonnent avec votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous et je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on va commencer avec un petit message de la Lune. Et puis, on ira voir au niveau général, hein, professionnel, financier. Et on terminera avec le sentimental. Allez, c'est parti, mes petites Vierges. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire pour cette période du 11 au 17 mars 2024? Pour vous, mes petites Vierges, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus? Allez, un petit message pour vous. On vous dit, mes petites Vierges, de vous abandonner au divin. Abandonnez-vous au divin. Remettez votre situation dans les mains de l'univers, les amis. Hein? D'accord? Allez, qu'est-ce que l'on a en dos de deck? Waouh, on vous dit paroxysme de passion en vue. Bien. Allez, on va aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand. En ce qui concerne le professionnel financier, allez, professionnel financier, eh bien, alors... Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, mes petites Vierges, dans une situation qui vous concerne, période du 11 au 17 mars 2024? Oh, j'ai la carte du cavalier qui nous parle d'une arrivée, d'un départ. Ça peut être une visite physique, mais c'est aussi une carte qui nous parle de rapidité et de nouvelles, quoi qu'il en soit. Alors, ça peut nous parler de discussion, hein, pour une amélioration. J'ai la consultante. Alors, quelque chose qui se termine entre une consultante et un... soit entre une femme et un homme, entre une consultante ou un consultant. Par rapport à des blocages au niveau professionnel. Bon. Allez. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'encre. Nous avons la carte de l'homme. Nous avons le livre fermé. Nous avons l'alliance. Nous avons le renard. Nous avons le cœur. Nous avons le chien. Nous avons la croix. Et nous avons la consultante. Et en dos de deck, nous avons la carte... du trèfle. Alors, il est question pour un consultant, là, de retrouver une stabilité grâce peut-être à une formation,
grâce au fait de découvrir des informations. Alors voilà, je vous parlais d'une formation, effectivement, il peut être question d'un engagement pour une formation, il peut être question de signature pour une formation, sinon ça peut nous parler qu'en tout cas, moi ça me parle de signature, de contrat là, d'accord, qui arrive pour vous, hein. Qui va vous permettre de retrouver une stabilité professionnelle, j'entends, hein. On voit qu'il y a une situation qui était pénible pour vous, hein. Quelque chose de pénible qui vous tenait à cœur, j'entends. Ça peut nous parler aussi que votre situation sentimentale est liée à votre situation professionnelle, hein. D'accord, il y avait peut-être quelque chose de pénible au niveau sentimental. Peut-être qu'il était question d'un déménagement. Il était peut-être question justement de vous rapprocher sentimentalement d'une femme, j'entends. Ça peut nous parler aussi que peut-être vous vous êtes récemment séparés. Hein, dans la coupe, j'avais la carte du cercueil qui nous parlait d'une fin. Peut-être que vous êtes récemment séparés, vous avez dû partir de là où vous étiez et il était question de retrouver un travail, hein. En tout cas, on voit qu'il y avait vraiment quelque chose de pénible, une situation pénible pour vous, hein, d'accord, au niveau professionnel. Mais là, il va être question de retrouver justement une stabilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité là qui s'offre à vous par rapport à un entretien, j'entends, hein, par rapport à une convocation, en tout cas par rapport à une discussion avec des tierces personnes, hein. Ça peut être lors d'un entretien pour un contrat de travail, ça peut être une réunion, ça peut être une convocation. En tout cas, là, on vous dit que la chance est avec vous, hein. D'accord? Ouais, il y a bien quelque chose de nouveau, hein. On voit avec la lune quand même que ça nous parle de, comment je dirais, de peur peut-être. C'est pour ça qu'on vous dit de vous abandonner au divin, hein. Peut-être des peurs liées à quelque chose de nouveau, j'entends, hein. Alors effectivement, ça peut être un départ, une arrivée, des nouvelles d'une personne. Et en tout cas, moi, ça me parle bien d'un nouveau départ pour vous, hein. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau en rapport avec l'étranger, des nouvelles de l'étranger, c'est possible. En tout cas, la carte du vaisseau nous parle de mouvement, hein. Il y a quelque chose qui bouge et avance là, hein. Que ce soit par rapport à, un nouveau travail, un déménagement, pourquoi pas à l'étranger, c'est possible, hein, c'est possible. De toute façon, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs, hein. Mais on nous parle bien pour un consultant de signature, d'engagement. Ça peut me dire, ouais, la carte du livre fermé peut nous parler d'une formation ou en tout cas d'acquérir de nouvelles connaissances, voyez. En tout cas, c'est la confirmation d'une signature, j'entends, hein, qui va pouvoir vous apporter justement une stabilité au niveau professionnel, hein. Ouais. On me dit que là, il est question d'une personne de confiance, une personne loyale, hein. Moi, je ne pense pas qu'on soit sur du sentimental, là. J'ai l'impression qu'on... Je ne pense pas qu'on soit sur du sentimental. Mais il est peut-être question aussi de ça, hein. Parce que, vous voyez, ça me dit que sentimentalement... Il a été question de retrouver une stabilité grâce à une femme, hein. Donc peut-être avez-vous emménagé donc avec la personne de votre cœur, et pour ça vous avez peut-être dû lâcher un travail. En tout cas, moi ça me parle bien de signature, d'accord,
qui va vous apporter la stabilité par rapport au travail. Hein. Alors, allez, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour essayer d'en savoir un petit peu plus, hein, bien sûr, pour vous, mes petites vierges. Allez. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Pour cette période du 11 au 17 mars, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus, mes petites vierges, pour tous ceux et celles qui se trouvent dans cette situation? Oui, il y a un accord, hein, il y a un accord qui va être trouvé. Hein, grâce à une personne de confiance, j'entends. Hein. Ouais, on a le contrat, voyez. On a le contrat, mais on voit que ça a pris du temps. Ouais, j'ai l'étranger, hein, vous voyez. Moi, ça me parle de l'étranger, hein. Vous aviez des rêves là, hein. Il était question d'un voyage, peut-être par rapport au bien-être, ou en tout cas la carte de la santé nous parle de santé, de bien-être. Il était question de déplacement par rapport à des rêves en rapport avec l'étranger, j'entends. Hein. Moi, ça me parle qu'il y a eu du retard, mais vous ouvrez enfin la porte de la... Vous ouvrez enfin la porte de votre destinée, j'entends. Hein. Ouais. Par rapport à quelque chose du passé, bon, il y avait de l'instabilité, mais on retrouve de la joie, de la tranquillité. Hein. Bon. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec la carte de l'encre pour vous, les amis? On a la loi. Donc, il va être question, vous voyez, au niveau de votre stabilité, on retrouve un équilibre. Hein. On retrouve un équilibre là, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme pour vous, les amis? On a l'étranger. Alors, ça peut nous parler, hein, ouais, ça peut nous parler d'un homme d'origine étrangère, hein, d'accord? Effectivement, hein. Sinon, ça peut nous parler de retrouver une stabilité, de retrouver un équilibre par rapport à l'étranger, en rapport avec l'étranger pour un consultant. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du livre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du livre, les amis? On a l'homme. Donc là, la carte de l'homme peut nous parler de passer à l'action, hein, d'accord? Mais ça peut nous parler aussi effectivement d'un homme en rapport avec l'étranger, j'entends. Hein. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a un consultant qui va découvrir quelque chose. Hein. Ça va, si vous voulez, le fait... de s'engager, là, de signer au niveau professionnel, va vous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'alliance pour vous? Qu'est-ce que l'on a avec l'alliance? On a la santé. Bon, une amélioration. Voilà, vous voyez, là, la santé nous parle aussi d'amélioration, d'accroissement, de quelque chose de sain. Donc, pour moi, là, cet engagement que vous allez faire, cette signature, on me dit que c'est sain. C'est sain. Ça me parle d'un engagement, ça me parle d'une signature pérenne, vous voyez? C'est quelque chose de sain. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le renard pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec le renard? Ça peut nous parler aussi, excusez-moi, peut-être que vous allez signer,
vous allez peut-être vous engager, là, vous allez peut-être signer professionnellement pour travailler dans le domaine de la santé. Ça peut être quelque chose aussi en rapport avec l'humanitaire, hein, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le renard pour vous? Et regardez, la victoire. La victoire, les amis, hein. Ouais, il y a vraiment une victoire pour vous au niveau professionnel, là, sur cette période du 11 au 17 mars 2024. Hein. Bon, ça me parle quand même de culpabilité. Vous avez culpabilisé. Hein. On a la trahison pas loin. Hein. Donc, peut-être que vous avez culpabilisé par rapport à une trahison. C'est possible, hein. Ou alors, c'est comme si on vous avait montré du doigt. Peut-être qu'on vous a pointé du doigt. On vous a peut-être accusé de trahison. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Hein. En tout cas, la carte du cadeau nous parle d'un cadeau de l'univers. Hein. Là, c'est le cadeau divin. Hein. C'est le cadeau divin, c'est la belle surprise. C'est pour ça qu'on vous dit abandonnez-vous au divin. Ouais, on a la réunion derrière. On a la réunion, on a les plaisirs. Donc, est-ce que là, il est question... Je vous parlais que votre relation sentimentale était peut-être liée, hein, à votre domaine professionnel, hein. En tout cas, la réunion peut nous parler qu'effectivement, cette nouvelle signature, ce nouvel engagement professionnel va peut-être vous permettre aussi de vous réunir avec votre autre, d'accord? Parce qu'on a les plaisirs derrière. Hein. Et vous voyez, on a le changement, donc la roue qui tourne pour vous, hein, qui vous permet d'aller vers une belle évolution. Hein. Ça, c'est l'évolution positive, bien entendu. Hein. Et là, on nous parle d'abondance, hein, financière ou matérielle. Enfin, l'abondance dans tous les domaines. Hein. D'accord? En tout cas, les amis, c'est magnifique. Hein. Vous avez une belle guidance. Là, il y a des beaux messages qui arrivent pour vous. Hein. D'accord? Donc, pour un homme, rapport, soit un homme d'origine étrangère, soit en rapport avec l'étranger, il va être question de signature, d'engagement. Pour moi, c'est un engagement sain, d'accord? Ça peut me parler aussi de signature dans le domaine de la santé. Pourquoi pas travailler dans un hôpital, dans une clinique, dans un centre de soins. Je vous parlais aussi d'humanitaire, hein, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Hein. En tout cas, on retrouve un équilibre. On retrouve une stabilité parce qu'au niveau professionnel, il y a une victoire pour vous. Hein. Il y a une victoire pour vous. Hein. Vous sortez là de cette situation qui a été pénible pour vous. Et j'ai l'impression que ce qui était pénible là, c'était par rapport à une relation sentimentale. Donc peut-être que, comme je vous disais, vous étiez peut-être séparés géographiquement, d'accord? Ouais, magnifique. Bien, dites-moi, c'est pour ça qu'on vous dit paroxysme de passion en vue, hein, et derrière on vous dit il est temps d'abandonner la négativité, hein, parce qu'il y a vraiment un paroxysme de passion en vue et on vous dit de vous abandonner au divin. Moi, pour moi, vous retrouvez un équilibre, une stabilité au niveau sentimental avec une femme grâce à une victoire professionnelle. Voilà ce que je peux vous dire. Mes petites vierges, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on se retrouve avec le full sentimental. On va aller voir cette fois-ci votre domaine sentimental relationnel, les amis, hein, pour cette période du 11 au 17 mars 2024. Alors que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, les amis, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez,
période du 11 au 17 mars 2024 pour nos amis vierges. Quels sont les messages pour vous, les amis? Allez voir votre signe Vénus, les amis, votre signe vénusien. C'est très important dans une guidance sentimentale pour avoir des messages supplémentaires. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, petite vierge? Bon, on a les allers-retours, on a les blessures. Bon, ouais, ça nous parle d'aller-retour, ça nous parle d'aller-retour hein, dans la relation. Hein. Alors, les allers-retours, ça peut être un coup on est ensemble, un coup on se sépare, on est de nouveau ensemble, on se sépare, ça peut être ça. Ça peut être aussi beaucoup de hauts et de bas. En tout cas, moi, ça me parle de blessures. Bon, il y a quand même une différence sociale entre vous. Bon, il y a un vœu qui va se réaliser là. Parce qu'on nous parle, vous voyez, d'impasse, de blocage, parce qu'il y a une diversité entre vous. Alors, ça peut être une différence d'âge, une différence de culture, une différence de nationalité. Ça peut être aussi une différence géographique ou tout simplement une différence de voir les choses. Hein, d'accord ? Donc là, on nous parle de blessures, hein, de douleurs, mais il y a un vœu qui va être réalisé. Hein. Moi, ça me parle d'amour et il y a un déblocage. Hein. D'accord ? Bon, super. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, les amis ? On a la jalousie. Et on a la complicité. Bon, moi, ça me parle de jalousie. Alors, est-ce vous ? Je pense que c'est vous. Hein. C'est vous qui êtes dans la jalousie, puisque là, on nous parle de ce qui se passe dans votre mental, dans vos pensées. Bon, moi, ça me parle d'une personne jalouse. Hein. Mais qu'il est question de... Il est question de retrouver une complicité. D'accord ? Vous vous sentez très complice avec cette autre personne, mais ça me parle quand même de jalousie. Alors, quel est votre but ? Quel est votre souhait ? Vous voulez retrouver de la chaleur, d'accord ? Alors, ça peut me parler par rapport à une nouvelle rencontre, d'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça ? On a les secrets. Bon, j'ai l'impression que vous voudriez retrouver de la chaleur. Sinon, ça peut me dire que par rapport à une rencontre que vous avez fait récemment, vous avez peut-être peur d'être dans les secrets. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes jalouse. Hein. D'accord ? Allez, on va en mettre une autre. Ouais. Vous avez peur, en fait, que votre autre soit dans la séduction et qu'il ou qu'elle vous cache des choses. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu, les amis ? On a le cul-de-sac qui ressort, vous voyez ? Donc là, vous êtes dans une impasse. Hein. Vous êtes dans une impasse, vous êtes désorienté, en fait. Hein. Il y a des blocages, vous ne savez pas, vous tournez en rond, en fait, vous ne savez pas comment sortir de ça. Hein. Alors, moi, ça me parle de manipulation. Donc, peut-être que justement, vous vous sentez manipulé. Ce qui vous plonge justement dans la désorientation, dans l'impasse, dans les blocages. D'accord ? Soit vous vous sentez manipulé, soit vous êtes vraiment manipulé, soit vous vous sentez manipulé. Moi, je pense que c'est vous, c'est votre ressenti à vous, parce qu'on nous parle de jalousie. Hein. Donc, vous avez peur, effectivement, d'être manipulé. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a l'amitié. Ouais, d'accord, j'ai compris. En fait, vous avez peur d'être manipulé, vous avez peur simplement que l'autre personne, là, n'ait que de l'amitié pour vous. D'accord ? Vous êtes désorienté là. Vous vous dites, est-ce que cette personne, c'est vraiment de l'amour qu'elle a pour moi, voyez ?
ou est-ce simplement de l'amitié, hein? C'est peut-être pour ça que vous, ce que vous voulez, c'est découvrir des secrets. Vous voulez en fait, vous aimeriez savoir si on vous cache des choses, si on a des secrets pour vous. Ce que vous voulez savoir, c'est s'il y a de la séduction ou de la liaison, de la séduction ou de la liaison ailleurs. D'accord? Mais moi, j'ai l'impression que c'est une rencontre que vous avez faite il n'y a pas si longtemps, hein? Sinon, ça peut nous parler en tout cas de retrouver de la chaleur, du repos. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Ouais, vous voyez, on a les allers-retours qui ressortent là, hein? Donc, les allers-retours, c'est les hauts, c'est les bas, un coup je reste, un coup je pars. On peut être aussi dans je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Vous voyez, on peut être un peu là-dedans, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le choix. Bon, il va être question de vous positionner là. Ouais. Par rapport à, vous voyez, à ces hauts, à ces bas, ces allers-retours là, on voit que vous êtes dans une impasse et les blocages. Alors, les allers-retours, attendez, excusez-moi, les allers-retours aussi, ça peut être géographiquement, hein, vous voyez? Peut-être que géographiquement, vous êtes séparés. Et il y a ça aussi, hein. En tout cas, moi, ça me parle de manipulation. Vous vous méfiez en fait des mots qu'on peut vous dire, mais vous vous trouvez dans une impasse. Et pour en sortir, là, il va être question de vous positionner, il va être question d'une prise de décision. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le choix pour vous? Ouais, pour sortir de la crise là. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a des crises, hein. Il y a des crises au sein de la relation. Et justement, il va être question de faire un choix par rapport à ces crises-là. Il y a une décision là à prendre, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, bon, il y a une solution, hein. Il y a une solution qui va arriver, hein. D'accord? Il y a une solution qui va arriver, hein, pour vous, hein. Ouais. Il va être question, voilà, de se positionner, de faire un choix. Bon, on voit que vous allez être dans le questionnement, hein, aussi, hein. Mais voilà, pour sortir de la crise, j'entends, hein. La crise de l'impasse et des blocages, là, hein. Mais moi, on me dit qu'il y a une solution qui va être trouvée. D'accord? Il va y avoir un remède, là. Alors, voyez, on vous dit, les amis, que vous êtes dans les blessures, hein. Vous êtes dans la douleur, mais pour moi, là, il y a un souhait qui va être réalisé. Hein. Il y a un souhait qui va être réalisé. Hein. Moi, ça me parle d'amour. Hein. Ça me parle d'amour et de déblocage. Hein. Il va y avoir un déblocage, là. Hein. Il va y avoir une fin de cycle. Hein. Alors, peut-être pas là sur la période du 11 au 10, au 17 mars, mais c'est ce qui vient là par la suite. Hein. D'accord? Là, sur la période du 11 au 17 mars, ça me dit plutôt que là, vous allez vous positionner, vous allez prendre une décision pour sortir des crises. Et on vous dit aussi que vous allez trouver la solution. Il y a une solution là. Mais moi, je vois bien un déblocage par la suite, hein, parce que ça me parle quand même d'amour. Il y a un souhait qui va être réalisé, hein. Ouais. On vous dit, faites confiance à votre intuition et vos ressentis pour une seconde chance. Vous voyez, il y a la seconde chance, là, elle arrive. Hein. Donc, vous allez vous donner une seconde chance, hein, dans la relation. Hein. Et on nous parle d'équilibre. Hein. D'accord? Il se peut que va y avoir une influence peut-être du poids de la famille. Alors, peut-être que vous avez des enfants ensemble et ça va faire pression sur le fait de retrouver un équilibre et d'acter une seconde chance. D'accord? Et on vous dit oui vers le positif. Hein. Oui, vers le positif, vers l'union, hein, après avoir été dans les blocages. Bon,
Ben écoutez les amis, hein, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Hein. Mais il y a un déblocage et il est vraiment pas loin. Donc abandonnez-vous au divin, c'est pour ça qu'on vous dit paroxysme de passion en vue. Dites-moi mes petites vierges si cela résonne avec votre situation, d'accord? Je range les cartes, on se retrouve avec un petit message du murmure de nos anges et le petit mot de la fin. Allez mes petites vierges, on se retrouve avec le murmure de nos anges. Allez, qu'est-ce que les petits anges? Qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Magnifique petit message pour vous, mes petites vierges. Hein, on vous dit de ne pas vivre dans le passé, mais plutôt de regarder vers le futur et de vous réjouir du voyage dès maintenant, les amis. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de partager la vidéo avec d'autres vierges, hein, qui se trouvent dans cette situation. Si vous connaissez des personnes du signe de la Vierge qui se trouvent dans cette situation, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Hein. Merci aussi de me laisser vos petits retours en commentaire, hein, si cette guidance a résonné avec votre situation. Hein. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude, gratitude les amis, merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité ainsi que votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas aussi hein, d'aller voir votre guidance mensuelle pour ce mois de mars hein, qui est déjà en ligne depuis un petit moment. Voilà les amis. En attendant de vous retrouver, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Prenez bien soin de vous les amis. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.